qu'est-ce que vous dites de cette observation que fait Edmond Kamgia? Parce que lorsqu'on regarde effectivement cette lettre du ministre Manaouda, on voit que l'entête, c'est écrit ministre de la Santé publique et puis cabinet du ministre, avec ministre de la Santé publique qui écrit, hein, qui invite donc le PCA de la Nord à un rassemblement politique de soutien au chef de l'État. Sur la forme, Edmond estime que c'est un problème dans cette confusion entre l'État et le parti, mais au-delà, que cache, je dis, quel est le projet du ministre Manaouda, de votre point de vue? Je ne vous demande pas de lire dans la boule de cristal, mais de faire une analyse politique comme vous savez bien le faire. En tant qu'analyste de l'opposition, bien sûr. Déjà, vous allez me permettre de faire une suggestion quant aux solutions à adopter pour réduire un peu le tribalisme et la division dans notre pays. Je vais évoquer ici la question des mythes rassembleurs, des mythes fédérateurs. Il faut que notre nation, notre État essaye de penser, parce qu'actuellement, il n'y a pas de mythe fédérateur. Ça veut dire ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit au Cameroun? Qu'est-ce qui unit les communautés? Qu'est-ce qui unit les Camerounais? L'hymne national, donc, questionnons un peu les symboles de l'État. Dès que vous enlevez au Cameroun, il n'y a rien d'autre qui fait allusion spécifiquement, particulièrement au Cameroun. Oui, Nord-Sud, le professeur Thomas Nord-Sud, Nubissa voilà. indique justement que c'est un hymne qui est, il a appelé ça comment? Je vais retrouver le terme exact, pour dire qu'on peut remplacer au Cameroun par au Oui, Zimbabwe, au Gabon par au et tout, Canada, et ça ça donnera ne donnera aucune toujours un sens. indication Au de ce moins, que si on c'est avait vraiment. peut-être La nuance, c'est inséré. que si on s'en tient au second couplet, c'est encore, c'est un peu plus parlant, le second couplet de l'hymne national. Tu es la tombe où dorment nos pères, le jardin que nos aïeux ont cultivé. Nous Oui. travaillons pour te rendre prospère. Prospère. Un beau jour, enfin, nous serons On peut arrivés. également appliquer ça au Gabon. Oui. Les Gabonais peuvent aussi le reprendre et ça a toujours un sens. Oui. Il y a par exemple le drapeau. On vous dit, ça renvoie au Sahel. Vous avez la multitude de drapeaux, vert, jaune, rouge, rouge, jaune, en Afrique, Afrique L'Afrique de francophone, ça l'Ouest fait en particulier. pratiquement la même chose. Donc il faut qu'on Le pense nôtre aussi. a une particularité, c'est une étoile d'or frappée au centre de la bande Oui, mais rouge. ça ne Cette renvoie étoile exactement d'or en est particulier noir. à l'unité du Cameroun. Non, mais L'étoile non. du Ghana est noire. Alors, Alors, voilà. terminons Donc, il y a ça, il y a par exemple à notre propre histoire avec des héros qui naissent comme Ouais. ça. Et pourtant, on doit créer quand même ces petits mythes-là qui vont faire en sorte on nous avions à un moment Sentiment donné d'appartenance l'équipe à l'autre. nationale. Vous voyez aujourd'hui qu'elle est totalement en déclin avec un théoricien à la tête de cette Hein? formation. Un théoricien. Donc, c'est lui qui produit plus de théories que de victoires. Ça, on va en acclamer. C'est un peu un problème. Maintenant, pour ce qui est de l'appel. Mokolo. J'allais dire l'appel à la sorcellerie. L'appel à la candidature du président en 2025. Il faut être un peu prudent. Il ne faut pas aller avec beaucoup d'émotion. Parce que le ministre Manaouda est un acteur assez rationnel. Il sait couvrir ses arrières. Je me rappelle en 2020, il était venu déposer ses dossiers à l'université Et de voilà. Douala pour être enseignant, très sûr qu'il Oui. préparait déjà des échéances compliquées, assurer une survie, malgré le fait qu'il ne répondait pas à un bon nombre de critères. Je ne vais pas revenir sur l'authenticité d'un bon nombre de ses documents ou alors le fait qu'il n'avait plus l'âge requis. Donc, c'est un acteur. Et lorsque vous situez l'acteur dans le système, pour reprendre un peu Crozier, vous allez comprendre que il adopte une démarche par l'absurde. Il y a le franquisme en cours. On veut que Franck Biya revienne. Mais lui, il est plutôt encore dans le biyaïsme. Il faut interroger la rationalité de l'homme. Ça veut dire qu'on essaye de s'accrocher sur quelqu'un qui est peu probable. Il faut également interroger sa démarche cavalière. Je suis convaincu, hein, que l'honorable de Mada, l'éternel et irremplaçable président de l'Assemblée nationale, n'est pas d'accord avec sa démarche. Parce que lorsqu'on veut convoquer, on veut convoquer un rassemblement de cette nature, il y a quand même des préalables. On se réfère quand même aux aînés. Donc c'est un jeune homme Ou à qui la hiérarchie dans le ou à pays. la hiérarchie. Donc il ne se réfère pas. Et deuxièmement, il est parmi ces ministres qui devraient se cacher. Devraient, par rapport à un bon nombre de présomptions qui pèsent sur lui. Il y a quelqu'un qui a dit en commentaire quelque part que l'argent du coronavirus peut monter dans la tête des gens. Donc,
Le ministre est dans une situation offensive. Manaouda Manachi est dans une situation offensive. Et vous avez reçu un apparatchik la fois passée à Vérité en face qui reprend, qui reste fixé et qui récidive par rapport à la répartition, à l'allocation du pouvoir dans le sens de l'équilibre entre le nord et le sud, ce gentleman agreement. Il faut donc lire, voir beaucoup plus un agenda personnel du ministre Manaouda qui use et instrumentalise la figure du président de la République. Je pense que le régime ou le règne du corbeau et du renard avec le président de la République ne peut plus tenir parce que nous continuons jusqu'à ce jour à douter de ses capacités à tenir les rênes de l'État. Je prends un exemple simple. Depuis 1992, on n'a jamais connu un gouvernement réaménagé avec un bail aussi long. Et malgré les frasques, il n'y a pas de remaniement. Il y a un aîné à Paris qui me disait que le jour que tu vas avoir un remaniement, revois un peu ta position quant à la capacité du président de la République à continuer à gérer. André Termika, cet appel de Mokolo, chez vous, RDPC, ça renvoie à quoi? À la démonstration de force pour démontrer aux Camerounais que nous sommes partout au Cameroun avec beaucoup de vigueur et d'entrain. Démontrer également que la partie septentrionale est une partie acquise au RDPC. Et naturellement, on nous condamne pour ça, de faire une campagne perpétuelle et d'être proche du peuple à tout moment. Vous savez, les jeunes comme Aristide, ils peuvent discuter sur la forme, mais nous qui faisons la politique, c'est le terrain. Et c'est ça la différence entre les théoriciens de la politique et nous. Mais on veut savoir pourquoi c'est Manaouda. Je vais revenir sur l'homme, mais je parle d'abord de l'acte politique. La politique, c'est la mobilisation et le vote. Alors, si un homme politique mobilise pour le parti, et je peux vous dire qu'il y avait près de 15 000 personnes, et que nous voyons l'intention de faire gagner le parti, il a posé un acte politique. Et en cela, je félicite le camarade Manaouda pour cet acte politique qui a démontré sa capacité de mobilisation. On peut revenir sur la forme, je n'ai pas des informations là-dessus, je ne sais pas, mais il a posé un acte politique. Maintenant, moi je vais être légaliste. Vous avez déjà condamné Manaouda. Je sais à combien d'années de prison. Qui, Mais précisément? il a dit que il a les faits sont clairs. Il a volé. Il y a un rapport de la Chambre des comptes. À qui le condamne? Non, pas qui condamne. Qui fait quoi? Qui montre ce qu'il a fait? Qui l'incrimine? Qui l'incrimine? Qui l'incrimine? Qui l'incrimine dans le dossier? Lui et son ministère. Ça veut dire donc qu'il n'a pas droit de faire des actes politiques. Il est condamné à ne rien faire. Mais il faut bien qu'on s'entende. Et je parle sous le contrôle d'un. Non. Non, 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 Oui, non, sous mon contrôle. non, non, s'il vous, non, s'il vous plaît, ce que je veux dire, non, 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 s'il vous plaît, c'était une D'accord, question oratoire. d'accord, Non, je d'accord. veux dire que les médias ne doivent pas, Question rhétorique. les médias ne doivent pas être des juges, des juges sentenciels. Mais au sein de votre parti, quand même, les gens interrogent Ah la bon? qualité de lui, la qualité. Pourquoi Manaouda? Pourquoi sa qualité au sein du parti et dans cette localité précisément, Je c'est n'ai pas quoi? eu vent de cette querelle. Tout ce que moi je sais, c'est Qu'est-ce que qui représente le plan politique au RDPC dans cette localité précisément? Mais c'est une personnalité ressource du parti. Dans Il l'extrême nord? a été même dans la commission logistique du RDPC. Dans l'extrême nord? Quel que soit l'endroit, c'est un ministre de la République. Ah, ça va de Il soi a alors. une émanation, il est d'une émanation politique et il peut poser un acte Ça veut dire politique. que vous validez la confusion qui est développée tout à l'heure entre le parti et Parti l'État. d'État. Non, ce que je veux dire, c'est que C'est donc quoi son rôle dans le parti? Vous êtes devenu journaliste. Non, c'est juste que je suis très intéressé par votre développement. Parce que vous ignorez de votre haute science d'avocat que le président de la République est le président national du RDPC. Et le ministre de la République. Non, mais le ministre est un Oui, si c'est vrai dans le cas du président de la République, c'est vrai également dans le cas du ministre. Parce que c'est votre Il n'a pas oublié de répondre. Votre science qui nous Finissez votre développement et puis on continue. Ou bien l'analogie est parfaite à ce niveau-là.
Bon, je vous trouve un peu diminué parce que vous, oui, vous refusez que je parle. Pourtant, peut-être vous êtes trois. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un ministre du gouvernement, du régime politique RDPC. Je crains que vous soyez en sujet. Attendez votre tour, je vous en prie. Oui, je le ferai sagement. C'est la faiblesse. C'est de la faiblesse pure, parce que moi je vous laisse parler, vous ne me laissez pas parler. C'est sûr ça? Oui, bien sûr. Obstruer un message, c'est de la faiblesse. Je ne crois pas. Ce que je veux dire, c'est que son agitation ne peut pas m'ébranler. Je suis en train de dire que il est l'émanation d'un ministre de la République, le chef de l'État est du RDPC. Étant un ministre du régime RDPC, il a vocation, n'est-ce pas, à poser les actes politiques pour le RDPC. Et je dois vous rassurer, hein, nous sommes fiers de cet acte au-delà des formes. C'est un acte politique qu'il a posé qui démontre la force du RDPC dans le septentrion. Très bien. Maître Roland Diou, pour sortir de l'émission, un appel pour le président Biya à briguer un nouveau mandat. Un appel qui vient de Mokolo. Mokolo, c'est dans l'extrême nord du Cameroun. C'est une région qui est ravagée par le terrorisme. Est-ce qu'il y a une symbolique derrière ou bien pour vous c'est banal? Non, moi je ne vais pas m'arrêter. Le RDPC a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, tant que c'est dans le cadre des lois de la République, on n'a pas à en rougir. Je convoque justement une analyse qui part du principe que le RDPC exprime sa liberté en tant que parti politique. C'est-à-dire que le RDPC a le droit de s'exprimer. Un leader du RDPC a le droit de faire un appel. Il demande que M. Biya se représente. C'est sa liberté. Mais la question que je me pose, c'est que le fait d'appeler M. Biya à ne pas se présenter, est-ce que c'est aussi une liberté? Si c'est le cas, si on est tous d'accord, j'imagine que c'est un truisme, votre silence valant acquiescement. Moi, je ne peux pas accepter, puisque moi, je suis pour qu'il soit là, éternellement. Non, la question n'était pas d'opinion, mais légale. Est-ce que quelqu'un a le droit, comme M. Manaouda, de dire aussi que son souhait, c'est que M. Bien ne se présente pas? C'est votre droit, mais je vais vous combattre. Vous disiez tout à l'heure que vous n'interrompiez pas. Je crois que j'ai entendu dire ça. Je complète. Ah d'accord, c'est juste pour compléter. Vous voyez, c'est très facile de vous prendre dans votre propre lasso, parce que vous n'êtes pas capable d'être cohérent. Je disais donc, je pars donc du principe que M. Manaouda a parfaitement le droit de dire « Je veux que M. Biya, il peut même dire comme M. Meka, je veux que M. Biya reste éternellement au pouvoir. » Mais est-ce que Roland Diou peut dire « Je veux que M. Biya aille se reposer ?» C'est mon droit, non? Sauf que si je le fais, M. Meka va convoquer les arguments liés à l'insurrection, à la déstabilisation du pays, pour prétendre que le dire, c'est violer toutes les lois du monde. C'est-à-dire qu'on mérite le procès de Nuremberg et Petit. Ça, c'est ça que je vois dans cette histoire. Parce que on est dans un pays où certains se vantent comme au RDPC de dire qu'ils font de la campagne permanente. Est-ce que vous n'arrivez pas à dire au Cameroun, est-ce que vous empêchez aux petits partis politiques politiquement morts, comme le MRC, de faire pareil? Mais vous avez fait et on verra. C'est vous qui décidez de quand on peut faire ou quand on ne peut pas faire finalement. Pourquoi vous en interdisez d'autres? Même si c'est une personne. Quand c'est facile pour vous de dénigrer, vous dites qu'il y a eu 200 personnes, 1000 personnes. Il y a eu une personne, monsieur. Le professeur Kamto était seul à la tribune. Soit. Est-ce que c'est interdit de faire des meetings chaque jour et d'être seul? Votre problème à vous, c'est ça. C'est que vous dites des choses et vous n'êtes pas vous-même convaincu que ce soit vrai. Vous avez peur. Je peux vous répondre. Oui, en m'interrompant, non? Allez-y. Non, non, je vous vois si vous allez continuer de m'interrompre. Vous avez peur que, justement, votre mensonge, votre petite fumée qui repose au-dessus du sable mouvant, là, soit démenti par la réalité du terrain que vous semblez convoquer. Laissez les Camerounais, laissez les partis politiques mener leurs activités librement. Je ne demande même pas qu'on nous donne les moyens de l'État que vous avez. C'est-à-dire, même si ce n'est que le papier de l'État qu'on utilise pour convoquer un président de la Nord pour se joindre à une mobilisation, on ne vous demande pas ça. On vous demande d'utiliser le papier de l'État pour signer des récépissés de déclarations de manifestations publiques, ce que la loi dit. C'est tout ce qu'on vous demande. On vous demande de laisser les Camerounais se réunir, de discuter de comment ils envisagent le pays, de discuter de qu'est-ce qu'ils veulent faire du pays, de
présenter leurs ambitions, d'expliquer aux Camerounais qu'il n'est pas normal qu'un pays aussi riche que le Cameroun, qui venait de découvrir une mine de fer à Campo, ne puisse pas offrir la sécurité sociale à ses concitoyens. Laissez que les Camerounais puissent discuter, exactement comme vous le faites à Mokolo. Moi, je n'ai pas de problème. Mais arrêtez de faire croire que vous le faites parce que vous êtes les plus beaux, les plus forts et que vous êtes les seuls à savoir mobiliser. Allons sur, mettons la balle au centre, allons sur le terrain justement, et on verra qui est qui. Mais précisément parce que vous savez que sur ce terrain-là, sans vos passe-droits, sans la courte échelle de la répression, vous n'êtes rien. Messieurs,